Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'est le 1er mai. C'est la fête du travail aujourd'hui. Alors, un petit clin d'œil pour les plus âgés d'entre nous qui se souviendront peut-être d'une chanson humoristique d'Henri Salvador qui disait « Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. » Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Bon, gardons un peu de sens de l'humour, mais je dois vous dire que le message d'aujourd'hui, ce ne sera pas l'éloge de la paresse. Évidemment, pour les chrétiens, quand même, se reposer est nécessaire. Et le repos dominical est une vraie obligation qui fait écho à ce que Dieu a établi dans le livre de la Genèse en montrant lui-même l'exemple. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Se reposer, c'est une chose très bonne et c'est aussi une chose nécessaire. C'est même un devoir, le repos dominical. Mais revenons au 1er mai, la fête du travail et non pas la fête du repos. Aujourd'hui, partout dans le monde, les travailleurs se souviennent certainement de leurs conditions de travail, etc., etc. Et l'Église, dans sa grande sagesse, a voulu profiter de la circonstance pour donner du sens chrétien à cette journée. Et pour cela, l'Église a choisi que nous puissions célébrer la mémoire liturgique de Saint Joseph artisan ou Saint Joseph travailleur, comme vous voulez. Quelle belle fête, célébrer Saint Joseph qui travaille. Et nous pouvons, dans ce moment de prière, nous adresser à Jésus en lui disant « Seigneur Jésus, tu as connu le monde du travail à travers celui qui a été ton père sur la terre, Saint Joseph, et également à travers le travail de la maison qu'a pu réaliser la Vierge Marie, ta mère. Seigneur, tu as choisi en plus, dans le monde du travail, des hommes qui ont été les colonnes de l'Église, les apôtres. Oui, tu les as choisis parmi des marins pêcheurs, comme Pierre ou Jean, ou même un collecteur d'impôts comme Saint Matthieu. Seigneur Jésus, tu as prêché même au milieu des situations professionnelles puisque tu t'es installé sur l'outil de travail de Pierre, la barque de Pierre pour prêcher. Et puis Seigneur, tu as choisi des images venant de l'agriculture pour prêcher les moissons, la vigne, l'élevage des brebis et même les métiers financiers puisque tu nous as parlé de la parabole des talents. Avec tout cela, Seigneur, tu es venu nous dire de manière indirecte que le travail est une réalité positive, et nous le savions déjà, de toute façon, parce que dans la Bible, au moment de la création de l'homme, dans le livre de la Genèse, il est écrit que le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. C'est magnifique. Et le pape François commente à cet égard que la personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. C'est une réalité très belle, n'est-ce pas? Oui, collaborer avec Dieu lui-même. Alors aujourd'hui, bien très tranquillement, en ce jour férié, je vous invite à penser un petit peu à votre travail.
Tout travail, hein, étudier, préparer un examen, c'est un travail. Rechercher un emploi, c'est un travail. Laver sa voiture ou faire une réparation à la maison, c'est un travail. Passer des heures de consultation médicale en s'occupant d'un grave problème de santé, c'est un travail. S'occuper des tâches de la maison, c'est un travail. Faire du télétravail, ou même se trouver sur un chantier avec un horaire très concret, tout cela, c'est du travail. Bref, pensons un petit peu à notre travail, à nos travaux. Et pas simplement pour nous dire comment pourrais-je être plus efficace, non, mais pour nous poser la question, et Dieu est-il présent dans mon travail? D'ailleurs, c'est une question que nous pouvons nous poser. Comment faire en sorte que notre travail devienne une louange à Dieu, soit quelque chose d'agréable à Dieu et qui nous conduise vers Dieu? Saint Augustin, dans un commentaire magnifique qu'il fait sur les psaumes, dit à un moment donné, en pensant à la louange, il nous dit « Quel est celui qui peut louer Dieu tout le jour? Si tu y consens, je vais t'indiquer un moyen de le faire. Fais bien tout ce que tu fais et tu loues Dieu. » Et alors ensuite, il donne un exemple. « Tu traites une affaire. Ne te rends coupable d'aucune fraude et tu loues Dieu. Si tu cultives un champ, ne suscite de querelle à personne et tu loues Dieu. Prépare-toi, dit saint Augustin, par l'innocence de tes actions, à louer Dieu tout le jour. » Oui, tu traites une affaire, tu loues Dieu. Belle considération, n'est-ce pas? Alors oui, selon l'expression amusante de la chanson que nous avons entendue tout à l'heure, je ne serai pas prisonnier du boulot. Mais je ne serai pas un dilettante non plus. Non, Seigneur, je dois vivre mon travail, pas simplement comme un devoir, mais comme une situation dans laquelle je peux donner de l'amour. Et je peux l'offrir, comme une prière. Je peux penser à le faire, à le réaliser sous le regard de Jésus, comme saint Joseph a pu travailler en étant sous le regard du Christ. Des artistes ont voulu imaginer la scène et mettre ainsi Jésus dans l'établi de Joseph, qui soit regarde son père travailler, soit assiste son père, soit apprend de lui. Et puis, évidemment, la Vierge Marie aussi est là. Et dans le fond, Marie regarde Joseph travailler, et puis le regard attendri de Notre-Dame, qui est là en train de contempler aussi Jésus et Joseph. Bref, dans ces conditions de vie humbles du village de Nazareth, pendant toutes ces années de vie cachée, vie de travail ordinaire, Jésus était là avec Marie et Joseph. Oui, c'est possible de travailler sous le regard de Jésus. Alors, 1er mai, eh bien, cela marque aussi le début du mois de Marie. Et je vais vous faire écouter une autre petite musique qui est un chant très pieux. Je ne sais pas s'il sera de votre goût, mais les paroles sont inspirantes et très pieuses. C'est le mois de mai, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Une invitation à lui ouvrir notre cœur. Une invitation à fortifier en nous le désir de vivre tous les jours de ce mois de mai plus proche de la Sainte Vierge. Comment faire? Je pense qu'on peut prendre une résolution. Peut-être aller dans une église consacrée à la Sainte Vierge Marie, ou bien dans un sanctuaire marial, ou alors tout simplement à l'église aller allumer un cierge devant une statue de Notre-Dame. Réciter une prière spécifique à Marie. Peut-être, si vous n'avez pas l'habitude de réciter le chapelet, eh bien, apprendre à réciter le chapelet. Beaucoup d'idées peuvent venir.
mais faire un pèlerinage, un petit pèlerinage. J'en suis sûr. Et je me permets de te donner une suggestion. Confie à la Sainte Vierge Marie en ce mois de mai tous les malades du monde entier. Et puis demande-lui d'éloigner la maladie, de nous aider à la vaincre dans le monde entier. Récemment, le Saint-Père a suggéré un marathon de prières durant tout le mois de mai pour que nous demandions tous ensemble, par la récitation du chapelet par exemple, la fin de la pandémie. Oui, avec l'audace des enfants qui demandent la lune, nous pouvons nous adresser à la Sainte Vierge Marie avec une foi nouvelle et en la priant avec tendresse, cette bonne mère. Bon mois de mai, bon mois de Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.